Sarah, je viens t'annoncer que j'envisage de faire une année sabbatique. Sabbat ? Sabbat, quelle taille ? Mais non, pas sabbat la chaussure ! Sabbatique, l'année ! En gros, pendant un an, j'arrête temporairement mes études pour essayer de concrétiser un projet avec Benoît. Hakim, tu veux pas faire médecin ? Mais comment ? Ah ! Mais maman ! Salopard ! Maman ! Hey, psst, l'année sabbatique, ça vous tente ? Bah moi, je fais une année sabbatique pour bosser et payer mes études l'an prochain. Attends, moi j'ai besoin d'une belle année sabbatique pour m'évader et prendre la mer. Genre à Dunkerque plage, quoi. Je vais faire une année sabbatique, ce sera pour travailler à Leclerc et me faire une config PC, c'est-à-dire SLI, Titan... Et moi, année sabbatique. Pourquoi ? Ah, t'inquiète pas, tout ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'argent, man. Voilà, tu as annoncé. Maintenant, il faut assumer. Bien évidemment, mon fils, tu auras tout mon soutien financier pour réaliser ton tour du monde. Et je suis sûr que le papa d'Hakim pensera comme moi. L'année sabbatique, hein ? Aucun soutien du père. Bienvenue dans le Sabbat Game. Voici ton planning. Alors, ça commence le lundi. Réveil à 8h, tu prends ton petit-déj et t'attaques tout de suite la recherche de job. Mardi, réveil à 10h. Tu fais cette fois-ci tes recherches à partir de chez toi. Bah oui, t'es fatigué de la veille. Mercredi, premier jour de repos. Bien mérité. T'attends les réponses et tu profites de la console. À partir de jeudi, on te perd. Tu te réveilles à 15h, t'as fait une nuit blanche. Mais tu prends soin d'appeler quelques entreprises, mais à partir de 18h. J'ai pas pu vous appeler avant parce que là, je viens de me réveiller. Du coup... Raciste ! A partir de vendredi, ta journée de type s'impose. Réveil à 16h, console de jeu, les potes le soir, et la nuit blanche. Et ça jusqu'au l'an prochain. Eh, faut attendre toute la journée pour sortir ! Au travail, monsieur. Et c'est là que viennent les galères financières, t'entends ? Leurs montres valent moins que 100$. Effectivement, comme a dit mon collègue, c'est là que viennent les galères financières. T'as tes darons, ils te donnent plus rien. Tes potes, ils t'appellent pour sortir. Mais t'as même plus de thunes. Tu pues la merde. Et si t'assumes pas, tu dois de nouveau mentir à ton entourage. Non, je peux pas sortir. Désolé, là, je bosse. Je suis désolé. Ça tombe très mal puisque je suis coincé chez moi, là. J'ai pas mes clés. Hein ? Allez. Alors... Non, mais t'inquiète, justement, on arrive chez toi avec ton père. Maintenant ? Sors ! Alors, vie de ma mère, là, tu me vois comme un. Mais si je veux, demain, j'ai un entretien. Ah, c'est pas le bon moment. Je peux pas manger avec vous ce soir puisque je suis en soirée. T'es un mytho mec, je suis dans ta chambre, je te vois. C'est pas bon. C'est la fin de l'année et seuls les chiffres parlent. Donc on fait le bilan, calmement, on se remémore chaque instant. Alors, qui a concrétisé quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Et mettez-moi un fucking pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Ciao. Le temps passe, beaucoup de choses.